Allez, un conseil pour terminer cette émission, Nelly. Alors, de Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, chez Alia. Et pour moi, c'est un des 10 meilleurs romans de la rentrée, sinon un des 3 meilleurs romans de la rentrée. C'est absolument génial. Simon Johannin, on l'avait repéré en 2017, toujours chez Alia, avec L'été des charognes. Et là, il revient avec sa femme qui est photographe. Ils écrivent à deux et il plonge un personnage, Nino. Enfin, c'est une grande histoire d'amour. Nino, très amoureux d'une jeune femme. Tous les deux précaires dans il me semble que c'est à Paris d'ailleurs, j'oublie, mais en tout cas c'est dans la grande banlieue aussi, et on voit comment à chaque fois ils vont flirter avec l'illicite. Il y a des pages sur comment voler dans les supermarchés, c'est constamment contemporain, c'est sublimement bien écrit, enfin c'est un mix mains, écoute oui je voudrais demander à Tristan Garcia, tu sais rien n'est simple, non c'est magnifique, et c'est chez magnifique. Alia.